Bonjour tout le monde de l'Internet et des interweb et du monde entier. Pat Nado ici avec vous aujourd'hui pour euh, un nouvel atelier journalier de la COVID class en ce temps de pandémie. Vous pouvez remarquer que je suis méga chixé pour l'occasion aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas, d'un fois ça fait du bien, après ça est habillé en mou, encore et encore et encore. De juste se gâter une journée puis de s'habiller euh, chic pour sortir les poubelles. ink pour le fun. ink pour le fun. Je vous le conseille, euh, c'est le fun. On, on s'habille chic en, en couple, dans la maison, puis euh, on fait comme si c'était une journée spéciale. Puis après le stream, on prévoit peut-être boire du vin puis écouter Netflix, genre. Fait que je vous le recommande, ça fait du bien. Des fois, on se sent un petit peu plus revigoré comme ça. Euh, aujourd'hui donc c'est un atelier journalier comme d'habitude les ateliers journaliers c'est toujours short and sweet on fait juste montrer un peu l'effet du jour et ensuite je vous le dis quand l'atelier est comme terminé mais je reste en ligne puis je fais d'autres niaiseries jusqu'à temps que ça aille plus de bon sens puis que ça soit lettre fait que euh, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions à intervenir à me jaser sur le chat donner vos commentaires vos suggestions c'est toujours Super apprécié, c'est encourageant de voir que, que, que je ne suis pas tout seul, qu'il y a des gens en ligne. Et euh, la, à peu près tous les soirs, vous pouvez me suivre sur Twitch aussi. Juste en bas, vous voyez le lien. Euh, je fais des sessions de travail où est-ce que je fais juste m'amuser à travailler sur un, un projet quelconque. Euh, ce soir, je risque de continuer à travailler sur le même projet qu'hier. Hier, je fais une session de travail qui a vraiment mal été d'ailleurs, <laughs> tu sais, quand rien va bien, ben tu prends un break, puis tu vas te coucher. Fait que rien allait bien, fait que j'ai arrêté ma session de travail, j'ai pris le temps de dormir, et là je pense qu'aujourd'hui je vais être plus d'attaque, donc je travaille sur une animation qu'un euh, dessinateur m'a envoyé le dessin, un genre de petit oiseau et tout ça. Euh, donc ce soir, vers 19h ou 21h, là, ça dépend de comment va ma soirée. On se revoit sur Twitch. On est aussi ici sur Facebook. C'est juste que euh, c'est un peu moins stable la connexion. Puis je ne vois pas vos commentaires nécessairement si vous les faites sur Facebook. Pour l'atelier d'aujourd'hui, par contre, je vois vos commentaires. Il faut juste cliquer sur le lien du vidéo, pas sur le partage dans le, le groupe, euh, pour que je puisse voir qu ce que vous m'écrivez. All right, vous êtes prêts Moi aussi. Donc on jump dans After Effects et on commence. Good. Nous voici dans After Effects et euh, j'ai un projet vide pour l'instant. Je vais faire une nouvelle composition, le petit icône juste en bas ici. Et je vais l'appeler démo pour les euh, tracer. Euh, 1920-1080, je peut-être pas besoin d'aussi long. Je vais mettre euh, 10 secondes. Ça devrait être suffisant. En 29 images par seconde, ça ne change rien. Je vous ai montré hier ce qui était là, l'atelier avec l'effet. Le, Time Posterization, posterisation temporelle, qui permet de jouer sur le framerate en temps réel. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur la page Facebook de Magic Spline. Vous allez trouver, c'était l'atelier euh, d'hier. Donc, je vais le laisser dans ce framerate-là et je vais faire ma nouvelle composition. Donc, l'effet que je vous montre aujourd'hui... Euh, à, à ce que je sache, en tout cas là je, je vais peut-être vérifier juste pour être sûr, ne fonctionne que sur les calques de forme, donc les shape layers. J'ai fait aussi un atelier sur les shape layers. Donc ceux qui me suivent depuis le début, vous voyez que les ateliers se suivent un peu. Hein? Donc on, on monte un peu le niveau de complexité euh, à chaque fois, mais j'essaie quand même de m'assurer s'il y en a des nouveaux que ce soit quand même accessible. Okay? Mais j'ai fait aussi un atelier sur les shape layers. Il y a une coupe de jour, vous pouvez aller le voir. Donc, je vais me faire un shape layer ici, euh, circulaire, par exemple. Okay. Et je vais faire euh, bouger mon shape layer au niveau de la position. Okay. Et bien important pour que l'effet fonctionne, il faut que ce soit un, un shape layer. Et deux, que vous fassiez bouger la position, pas dans l'ellipse ici, pas dans la forme en tant que telle, mais vraiment. Dans le, le menu des transformations du shape layer en tant que tel. Okay? Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais venir ici prendre ma position. Je vais mettre un keyframe. Je vais le mettre euh, hors champ, par exemple. Et il va venir ici, dans le champ. Je vais même lui faire faire une pause. Comme ça, il va s'en venir. Il va rester sur place. Et après, il va venir faire un genre de, de Z. Euh, comme ça. Je vais m'assurer que mon timing est agréable. Toujours quand vous faites de l'animation, j'ai fait un atelier là-dessus il y a quelques jours. Les principes d'animation. Toujours s'assurer que votre euh, animation principale, donc l'animation primaire, est bonne avant de passer aux animations secondaires. Dans ce cas-ci, rajouter une espèce de tracé dynamique, c'est une animation secondaire parce que c'est la position. Qui crée cette animation secondaire-là, où est-ce que le cercle va venir euh, s'étirer si on veut? Okay? Euh, C'est juste peut-être pour ceux qui ne qui l'ont pas vu, qui, a, qui seraient sur d'autres groupes, je vais vous montrer. Là, je l'ai enregistré. Ce qu'on essaye de faire ici, je vais ouvrir la vidéo. Okay, donc, un tracé dynamique comme ça, vous voyez, j'ai ma forme. Okay, et quand on bouge, on vient étirer la forme. Okay, C'est cet effet-là qu'on va voir aujourd'hui. Okay, donc ça, c'est une animation secondaire. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau de mon déplacement. OK, on va l'ajuster ici. On va mettre ça un petit peu plus rapide et on va peut-être venir jouer sur les courbes de vitesse. OK? Donc, là, évidemment, je ne prendrai pas 4 heures pour m'assurer que l'animation est top shape et, et tout, là, le, le but. C'est vraiment de vous montrer le, le tracé dynamique. Mais juste pour les besoins de la cause, on va quand même se faire une animation primaire qui a du sens. Okay, donc ça vient ici. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des genres de petites pointes comme ça, comme s'il ça, va avoir une espèce de pause ici au centre, puis il va revenir. OK, puis je vais peut-être éloigner. Je trouve au début, il est un petit peu intense. Euh, puis j'ai peut-être mis ma courbe un peu trop intense aussi. Tiens. Euh, non, finalement j'aime mieux quand ça allait plus vite. Euh... Ok. Disons que c'est ça notre animation. Comme je vous dis, ça n'a pas trop d'importance. C'est juste pour euh, un prétexte pour vous montrer l'effet en tant que tel. Ok, donc l'effet en tant que tel, vous allez venir ici dans le panneau des effets et ça s'appelle Echo. Euh, en français, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais je pense que c'est Echo aussi. Donc, je vais prendre Echo et je vais l'appliquer sur mon Shape Layer euh, ici en bas. Je vais euh, étirer ma fenêtre ici. Ah, oui, on va aplatir la courbe. Hein? Aplatir la courbe! Ok, Ça ressemble à ce qu'on va faire. Donc, vous voyez déjà. Ce que ça fait, j'ai comme deux cercles ici. Ça va venir les, les dupliquer un peu. Petit effet James Bond peut-être. Okay. Euh, C'est l'effet ici euh, d'écho. Présentement, j'ai un écho. Je pourrais venir augmenter ici, admettons, à neuf échos. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient dupliquer ma forme. Sur le même mouvement, ça, fait, ça vient créer une espèce de répétition. Okay? Et comme ça suit le mouvement, ça va suivre aussi les easy in et les easy out que j'ai ajoutés. Là, évidemment, si on veut vraiment rajouter un effet où est-ce que ça me a plus l'air d'un vrai tracé comme j'ai fait, il va falloir jouer euh, Un beau laptus jouer. Jouer, pardon. <laughs> jouer sur les paramètres. Donc, euh, dans Echo Time, OK, ça c'est le temps entre chacun des échos qui est présentement à 0.033. Donc 0.033 secondes entre chacun des échos. Okay, D'ailleurs, si je le mettais, mettons, à moins 0.5, je pense que ça ne marchera pas. Ouais. Okay, vous voyez, ça donne un effet complètement différent. Donc, ça pourrait servir d'ailleurs, au lieu de copier-coller un mouvement, de faire un effet comme ça pour simplement les décaler. OK? Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais les mettre, moi ici, à moins 0.001. OK? Vous pouvez jouer un peu avec le, le, les settings, mais je vous dirais que c'est pas mal le BEST, le moins 0.001, que j'ai trouvé pour avoir cet effet de tracé-là. Et là, vous allez voir déjà... Va ouais, être euh, beaucoup plus intéressant. On n'aura plus l'espèce d'effet euh, de répétition. Tu sais, Si je l'enlève, okay, en fait, regardez, je vais faire ça ici. Je vais le réduire. Je vais le dupliquer. Et je vais venir prendre la position ici. Je vais en mettre un avec l'effet et un, pas d'effet. Ok. Je vais peut-être. Euh... Ouais, je pense ça marché. Ok. Donc celui-là n'aura pas d'écho, celui d'en bas, et celui d'en haut va en avoir un. Okay, donc vous voyez déjà celui d'en haut à quel point il est beaucoup plus euh, dynamique. D'ailleurs, vous avez des petites boîtes ici. Il y a la petite boîte ici de flou, motion blur, donc ça simule le flou en continu. Je pourrais l'activer. OK, et vous voyez ce que ça fait, c'est que quand il y a un mouvement rapide, ça va me créer automatiquement du flou selon le calcul du mouvement. Okay, donc, vous voyez, la différence est quand même assez grande. Maintenant, c'est possible de venir l'exagérer un peu comme dans le démo que je vous ai fait. Et ça va tout simplement être ici d'augmenter le nombre d'échos. Là, j'ai 9 échos, mais si je viens mettre ça à 90 échos il y aura 90 cercles qui seront à une distance de 0,001 pixels, donc très proche. Ça va simuler le fait qu'ils sont le même objet. Et il va rusher un petit peu plus. Mais vous voyez comment ça donne un effet euh, intéressant ici, euh, écho. On va le laisser rouler un petit peu juste pour le voir en continu. Après, on va continuer à construire là-dessus pour aller plus loin. Okay. Donc, ça crée un effet qui serait vraiment difficile à obtenir autrement, euh, évidemment. Et je vous dirais ici Echo Operator si vous ne voulez pas avoir de problème. Pour l'instant, ça ne crée pas de soucis. Mais si vous ne voulez pas avoir de problème, euh, je vous dirais de le mettre en maximum ici. Euh, parce que si je n'ai pas un cercle blanc, je pense que ça va euh, changer la couleur de mes échos. Admettons, je le mettais en bleu. Il euh, faut que je le, le sélectionne d'abord. Oui. Ça ne va pas fonctionner. Content. On va aller dans Eclipse. Fill. Fill, moi, ça avec... Ah, ouais, tu vois. Si je l'avais mis en bleu, ben là, il reste blanc. Parce qu'il est en addition. Si je le mets en maximum, je vais avoir euh, la vraie couleur que j'ai choisie pour mon fill. Okay. Le, le, le bleu ici, là. Le flou crée beaucoup de ralentissement au niveau de After Effects. Qu'est-ce qu que je fais souvent? C'est que je l'enlève. Je fais juste le mettre à la toute fin euh, quand je suis rendu à exporter par exemple. Okay, vous allez voir, ça va être vraiment plus rapide maintenant que je l'ai enlevé au niveau du rendu. Pas pire. Pas pire, pas pire. Okay. Donc, l'effet en tant que tel euh, ressemble à ça. C'est on crée un share player, on met un écho. Et on vient ajuster les paramètres pour créer cette espèce de tracé dynamique à l'arrière de notre, de notre forme. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Euh, moi, je vais juste, comme d'habitude, continuer à faire n'importe quoi jusqu'à temps que ça ne soit plus intéressant. <laughs> et euh, sinon, sur ça, je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas, demain, tous les jours, à la même heure, midi, je donne des ateliers. Euh, rapide comme ça sur After Effects, ou est-ce que je vous montre deux, trois petits trucs. Vous pouvez aller revoir ce qu'on a déjà euh, fait sur ma page Facebook Magic Spline ou sur mon Twitch, Pat underscore Nado, n a -D -O. Euh, Je fais aussi tous les soirs, des, ou presque, des Twitch à partir de, de 19h sur euh, une session de travail en particulier. Donc, je vais continuer ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais éteindre lui. Je vais le dupliquer. Contrôle D. En fait, je vais jouer un peu sur la position pour pouvoir en mettre deux, pour pouvoir mettre un peu le, le avant après si on veut. Là. Je vais prendre ça ici. Je vais faire faire un moins gros euh, zigzag. Okay, comme ça, ça me permet de le dupliquer, d'aller dans position, de le prendre et de le mettre en bas. On va pouvoir avoir les deux côte à côte sans euh, perdre euh, de, de, de place. Donc, si lui en bas, j'enlève Echo. ou ah, lui en haut, vous voyez la différence. Maintenant, ce que je vais essayer de faire pour le fun, je vais essayer d'utiliser un des ateliers que j'ai donné avant hier. Je pense, je vais essayer, essayer d'aller chercher posterisation. Posterize the time. Je vais le mettre sur celui-là qui a l'effet. OK, parfait. Donc, vous voyez, j'ai mon frame rate ici à 24 images secondes, alors que ma composition en tant que telle dans les settings est à 29.97 images seconde. Donc, je peux imposer un frame rate à un calque en particulier sans toucher le frame rate des autres calques. Donc, ça, c'est super intéressant. Celui d'en bas est à 24, celui d'en haut est à 29. Je vais mettre l'écho pour les deux pour qu'on voit vraiment juste la différence de la postérisation du temps. Euh, ben, je vais peut-être aussi changer la couleur juste pour le, pour le fun. Hein. Donc c'est lui d'en haut. Euh, je vais changer ici. Ah oh non, lui d'en bas. OK. fait que je vais mettre lui d'en bas en bas pour que ce soit plus facile. Donc, celui qui est rouge a l'effet de postérisation du temps. Ok, donc là, je suis à 24. Ça ne fait pas une grosse différence. Mais ça pourrait venir intéressant si je viens jouer. peut-être si je le mets à 12, par exemple. Même à 8, on vire fou. Okay. Donc vous voyez, on peut quand même obtenir des effets intéressants. Et ça ne défait pas le temps. Hein? Si vous avez fait une animation complète complet dans After Effects, vous voyez que ma balle arrive au même endroit, au même moment. C'est juste le nombre de frames qu'elle utilise pour parcourir la distance va être réduit. Mais la vitesse de mon mouvement ne sera pas changé. C'est ça qui est intéressant. Je pourrais y aller extrême. Admettons, j'y vais à 4 frames secondes. seconde. Ça va quasiment devenir comme un, un image par image. Ouais. Puis si je vais dans l'autre sens, à 60 images seconde, on va voir s'il y a une différence. Pas beaucoup. Mais légèrement, peut-être que vous ne vous le voyez pas à l'écran dans le, le, le stream, mais moi je le vois quand même ici sur... Euh, parce qu'on perd une génération d'images quand on est dans le, dans le stream. Ok, donc, Posterize Time, super intéressant. Je vais peut-être essayer d'utiliser un autre truc que j'ai euh, fait un atelier là-dessus au niveau de la texture. Tiens, je vais me remettre ici à 12 images secondes, euh, juste pour le fun. Et je vais venir ici faire clic de droit. Je vais aller dans Layer Style. Je vais aller dans Bevel and Emboss. Okay, J'ai fait un atelier là-dessus euh, il y a quelques jours. Vous pouvez le retrouver. Ça s'appelait euh, Gérer les textures, je pense, dans After Effects, quelque chose comme ça. Donc, je vais venir ici augmenter la taille de mon embossage. Oups. Peut-être pas autant. OK, ça, ça a de l'allure. Et je vais venir ici mettre le highlight en dissolve. Et même chose pour le euh, multiply en dissolve. Euh, pour le, le shadow en dissolve. Je vais venir ici choisir un rouge, le même rouge avec la pipette que je vais mettre un petit peu plus foncé. Euh, non, un petit peu plus clair plutôt. OK. Et celui-là, je vais venir prendre un, le même rouge, mais je vais le mettre un petit peu plus foncé. Et comme j'ai euh, posterized time en 12 images par seconde, l'espèce de texture granuleuse et le temps va venir accentuer cet effet-là de dessin à la main un peu. Il va avoir un petit peu de misère à faire son rendu par contre, là, mais on va y donner le temps, on est patient. Et nous, anyway, c'est pas comme si on avait grand chose à faire en ces temps de confinement. À part du jardinage. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur la COVID classe qui avait proposé un atelier de jardinage. Je l'attends encore avec impatience, cet atelier. J'ai vraiment hâte de, 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 de voir parce que euh, ma blonde s'est mise au jardinage, elle a triple là-dessus. Je vais essayer de l'aider, mais je me sens super incompétent parce que je ne connais rien. Fait que, euh, je vais essayer de l'impressionner en suivant l'atelier, puis après en disant des mots comme semis et gestion des tiges. Vous voyez à quel point je ne connais rien en jardinage. Ok, donc, pas mal. Euh, tiens, regardez, je vais essayer ici d'aller... Encore une fois, ça c'était dans l'atelier ici, add des euh, calques de forme que j'ai fait il y a une coupe de jours. Je vais essayer de rajouter un. Ah, ma caméra est partie! All right. J'utilise ma Canon ici pour faire euh, euh, le stream. Ma Canon qui est branchée à mon ordi avec le HDMI. Par contre, ce qui est bien étonnant, c'est qu'elle se met en veille automatiquement, même si dans les menus, j'ai mis. Pas tomber en veille. Fait que s'il y a quelqu'un qui est bon, je pense peut-être qu'il faudrait que je me suis dit télécharger genre euh, Magic euh, Lantern, quelque chose du genre là, qui irait dessus. Mais je ne sais pas comment faire pour pas qu'elle tombe en veille tout le temps. OK, qu'est-ce que ça donne ça? Ça va laguer solide, mais on va voir. <laughs> Donc, Wiggle Pat, c'est que ça va venir prendre mon tracé, donc la ligne de mon tracé et le faire euh, vibrer. Je peux décider le nombre de vibrations par seconde, la taille, la complexité. Est-ce que je veux que ça soit smooth ou euh, piquant, les, les edges si on veut? Là, je pense qu'il va falloir que je les réduise sûrement. Là. Vous savez de quoi ça a l'air? Ça a l'air d'un virus. Un COVID-19 virus. Si quelqu'un veut faire une animation sur le COVID-19, ça pourrait être euh, intéressant d'utiliser cet effet-là pour faire arriver le virus, puis euh, écrire du texte après, se faire promener. Vous pourriez même y rajouter des petits yeux, peut-être, quelque chose de genre. On pourrait peut-être même le faire, live. Hmm. <laughs> okay, on, va, on, on va se contenter de gérer le Wiggle Pad pour l'instant. Euh, je vais peut-être mettre ça plus petit, genre à 10. Parce que je ne veux pas que ça soit si gros. Et les détails, il euh, faut que je les monte ou je les baisse Si je fais ici 5, admettons. Puis j'augmente la taille. On va avoir plus un blob maintenant. Parce que le détail est moins gros, mais la grosseur est plus grosse. Peut-être même 2. Euh, si on veut vraiment un blob. Parfait. Et wiggle second, je vais peut-être vraiment y aller plus élevé. On va aller voir ce que ça donne. On va se donner une chance, on va enlever notre référence d'en haut. Un autre effet intéressant qui pourrait représenter des liquides. Peut-être que je pourrais augmenter mon embossage. Vous voyez le bevel. Et embossage, l'effet Bevel and Emboss. Je l'ai mis ici euh, en bas. Euh, 36. Je pourrais peut-être le monter pour qu'il fasse toute ma forme au complet. Et on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas, si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire, là, rendu là, l'atelier part en vrille jusqu'à temps qu'on soit tanné toute la gang. <laughs> fait que si vous avez des idées, hein, on pourrait peut-être essayer ça, ah, essaye de faire ça, écrivez ça dans les commentaires, ça va être bien le fun qu'on construise un projet en équipe. J'avais même pensé essayer de quelque chose, tu sais, j'ai Alexa à la maison, j'avais pensé avoir Alexa avec moi, puis poser des questions, genre c'est quoi ta couleur préférée, puis là, construire un... Un projet selon les réponses de Alexa. Je l'ai essayé off cam, puis Alexa est malheureusement trop stupide, ça marche pas. <laughs> Mais ça aurait été le fun. Intéressant. Ok, donc euh... je vais peut-être ici le grossir, puis pourquoi pas lui mettre des petits yeux. Je vais mettre ici Content une nouvelle ellipse. Et cette ellipse-là, je vais euh, lui mettre un, un, un. En bas du wiggle pad, je ne veux pas qu'il y ait wiggle. Je vais lui rajouter un fil que je vais mettre à l'intérieur. Et à l'intérieur Non. Ok, fait il va que je le fasse directement d'ici. Ellipse 2, fil que je vais mettre ici en noir. Ellipse 2. Et je vais bouger la position. Position. Mmh. ça marche pas. Fait il faudrait d'abord que je duplique ça ici. Dupliquer. Que je vienne enlever l'embossage. Que je vienne enlever l'effet. Et là que je viens euh, changer ici ça pour du noir, je vais enlever le wiggle path aussi. Je vais venir réduire la taille. Et je vais venir travailler la position ici pour euh, le mettre. Comme ça ici, je vais le dupliquer, CTRL-D. Et ou non, en fait, je vais dupliquer mon ellipse, CTRL-D. Et celle-ci, je vais bouger la position aussi un peu à droite. Voilà. Et je vais prendre ces deux ellipses que je vais dupliquer. Je vais les mettre par-dessus. Et ceux-ci, je vais les mettre en blanc. Et je vais réduire leur taille. Je suis en train de faire des yeux ou d'essayer de faire des yeux. Je vais réduire ici la taille de celui-ci et de l'autre. Euh, transformation échelle. Il va y avoir un œil plus gros que l'autre. Okay, je ne sais pas si ça va bien suivre. Peut-être activer la transparence pour qu'on voit mieux ou peut-être juste mettre un background dans le fond. Je vais faire ça ici, je vais mettre un background coloré. Oups. Coloré, coloré en dessous, que je vais venir ici mettre en dégradé radial. Et je vais venir choisir des couleurs moins atroces. Peut-être un genre de bleu. Et ici, je vais mettre aussi le même bleu, mais en plus foncé. Je vais augmenter le dégradé ici. Voilà. Et on va voir. Ah. À cause de l'écho, les yeux suivent euh, pas très bien. Il aurait fallu que, il faudrait que je travaille un petit peu plus. Ou je fais ouvrir les yeux juste une fois qu'ils sont rendus là. Tiens, admettons, euh, je viens ici prendre la position, puis il s'en va pas ailleurs, il fait juste rester là. Puis, twink, as les yeux qui apparaissent. Oups, ouais, c'est que j'ai pas fait le bon move. Je vais rouvrir la position et enlever mes keyframes. Donc je veux que ici, il ne se déplace pas ni avant, ni après, et qu'il soit dans sa face. En haut de sa face ou dans le milieu. Comme ça. Parfait. Et je vais venir jouer sur l'échelle. Je vais défaire ici le lien entre l'échelle de grosseur et de largeur, ce qui va me permettre de venir déformer ma forme. Donc, je vais mettre un keyframe ici et là. Et le premier keyframe, je vais venir... Ah, il faut que je le fasse sur la forme au complet. Sur Transform, Scale. On avance de quelques frames. Je mets un autre keyframe ici, je reviens en arrière et je mets ça à 0. Okay, donc vous voyez avec l'échelle seulement, j'ai fait ouvrir les yeux de mon personnage. Okay, C'était deux cercles, j'ai défait le lien de parenté entre les deux valeurs d'échelle, ce qui m'a permis de déformer mon image et tout simplement de faire ouvrir ses yeux. Je pourrais même venir ici mettre un keyframe, avancer un peu, mettre ça à 3. Avancer un petit peu, remettre ça à 20. Faire copier et coller. On va regarder ça si notre virus a du sens. Faut que que mon ordi calcule tout ça. Alright. On a notre petit virus qui s'en vient. Je pas sauvegardé mon projet. Donc, présentement, je travaille sur la RAM de mon ordinateur. Pour ceux qui connaissent ça, pas besoin de l'expliquer, mais pour ceux qui connaissent moins ça, c'est la mémoire vive. Et la RAM est beaucoup moins puissante que le reste de votre ordinateur, votre carte graphique au niveau des calculs euh, visuels. Okay, donc, une fois que j'enregistre mon projet une première fois sur mon ordinateur, je lui donne une place physique sur le disque dur. Ça fait que je ne travaille plus sur la RAM, la mémoire vive, et la RAM peut être utilisée pour faire les rendus comme ça en temps réel. Mais là, je n'ai pas sauvegardé. C'était pas ça l'objectif. Euh, donc, non seulement la RAM travaille au rendu, mais elle travaille aussi à maintenir la fenêtre ouverte, à maintenir le projet. Donc, les risques que ça plante sont vraiment plus élevés pour l'instant. Donc, voilà le petit bonhomme. Euh, donc, euh, écho, c'est ce que j'ai mis. Ok, petit rappel, ça marche sur euh, euh, les shape layers. Euh, je, je pense que ça marche juste sur les shape layers, mais il faudrait vérifier. Faites vos tests vous-même. <laughs> c'est juste une excuse pour que vous puissiez le tester. N'oubliez pas, si vous voulez tester des projets et me les envoyer par la suite, c'est super le fun euh, d'avoir une critique de son propre projet par euh, quelqu'un d'autre. Ok, donc n'hésitez pas. Faites quelque chose dans After Effects. Envoyez-moi votre projet, n'oubliez pas d'y inclure les médias et les typos, euh, les polices d'écriture, sinon j'envoie de des médias offline et euh, je peux soit vous donner mon feedback par écrit ou euh, ce qui peut être le fun, c'est que je fais un live comme ça en direct ou est-ce que j'en profite pour présenter votre travail et euh, vous présenter aussi, présenter votre portfolio si vous en avez un, faire un peu de de peu au besoin, des, des petits euh, shouts et euh, vous dire ce que je pense de, de votre travail, comment vous l'avez construit, essayer de voir si c'est facile de naviguer dedans pour quelqu'un qui ne connaît pas le travail. Donc, n'hésitez euh, pas, vous avez mon adresse, mon Facebook, tout est là. Sinon, on se revoit demain midi, même heure. On se revoit aussi la plupart des soirs à 7 heures. J'essaye de... Faire des Twitch tous les soirs sur des sessions de travail à 19h ou 21h, dépendamment, là, dans ce coin-là. Euh, D'un fois, par exemple, je suis comme tanné un peu. Et euh, profitez-en aujourd'hui. Arrêtez de vous habiller en mou, passer une petite journée où est-ce qu'on s'habille comme un peu plus chic. On dirait que ça fait du bien, ça remonte le moral. Euh, on continue d'appliquer la distanciation physique et non la distanciation sociale. C'est important, c'est pas la même chose. On reste en communauté. Rejoignez le groupe de la COVID-Class si vous voulez donner des ateliers vous-même, c'est super le fun à faire et euh, sinon on se revoit demain. Peace, à bientôt tout le monde.